Là, j'ai les mains un peu graisses. Moi aussi. Voilà, aïe aïe aïe. Alors, on va voir le résultat dans 12 minutes. On va aller te soigner. Et là, il faut vraiment s'aligner pour couper la queue de l'ananas en deux. Prendre la force, mesdames et messieurs, vous voyez qu'on a... Alors, le tour est joué, voilà. Je rajoute pour rien, hein. J'ai peur de dire bonne sandwich. Si ça marche pour la laine, je vois pas pourquoi ça marcherait pas pour les doigts. C'est la même chose pour le jus de citron, ça fonctionne super bien. Fait que... Bravo! Alors, jus de citron et rince bouche, mesdames et messieurs, ça fonctionne. Ouais. J'ai senti tes doigts! Oh, moi, il est allé un peu. Oh! Supposé de pas déborder. C'est parce que peut-être qu'il n'est pas coupé droit. Ne quitte pas, Christophe, s'il te plaît! On va le racter sur le coup. Il est pas trop fier. Pardon. T'es-tu brûlé? C'est pas cool. Je vais recommencer. Bon. Non. Non, mais regarde, c'est pas si pire, là. Oh. Regardez quand même avant de donner à vos enfants. Pour le temps des fêtes, on vous suggère une recette de... Crêpe de Noël en forme de saumon. Pour le temps des fêtes, on vous suggère un truc de... Je te dis, Vicky, t'as une belle recette pour nous. C'est une bonne idée. Pour le temps des fêtes, on a un truc à vous partager, une recette super originale, et c'est Vicky, Mère Noël, qui va vous présenter ça aujourd'hui. Ben, c'est des crêpes en forme de suçon, des crêpes de Noël. On en a qu'on a fait avec du colorant, entre autres vert et rouge. Et ce qu'on vous suggère aussi, là, c'est de prendre une recette, je vous dirais, de pancake.